Eh les gars, no fake, on est en TV Brawl. On est avec le premier Spike mondial, les gars. Ah, y a Bod Raphaël OP qui est venu, mais incroyable. C'est le premier Spike mondial. 47 292 trophées. Spike à 1289 trophées, les amis. Il est avec nous. Je vous montre le classement. Mondial, Brawler. Spike, on a vérifié tout à l'heure, c'est bien lui, ouais. Regardez, il est tout en haut. Au secours. C'est frauduleux. C'est frauduleux, tu dis? Mais non, c'est pas possible, attends. Tu sais, il a pas utilisé la technique, là, le glitch ou quoi. Je regarde son compte, Théma, son compte. Il est très sérieux, hein. Ah ouais. Ah oui. Il a broc en 35. Il est en hors 2 au niveau de la Power League, du coup c'est cool pour nous. Est-ce que ça compte le fait que, tu vois, genre par exemple là tu joues une Shelly en 35 par exemple avec 1200 trophées, j'en sais rien, et t'es hors 2, est-ce que tu vas tomber quand même contre des gros BG, tu vois, ou est-ce que tu vas rester sur du hors 2 en Power League? Le matchmaking est calculé en fonction du classement APL, pas en fonction des TR généraux. Ouais, c'est ça, donc c'est juste le PL qui est pris en compte, oui. Ok, ça marche. Ah, bon bah c'est parti, et THE qui dit « La hyène après ta game, enlève-moi et remets-moi dans le VOC ». C'est vrai qu'on l'entend pas depuis tout à l'heure, THE, vas-y, je t'enlève et je te remets. C'est bon, le move a été fait, THE, est-ce que tu nous entends, gros? C'est peut-être ton micro. Toi, ça va, ton micro, il est pas mal turbo, tu utilises quoi? Kit main libre ou un vrai micro, ou t'es sur ordinateur? Non, ouais, kit main libre. Kit main libre, ouais, ça va, c'est carré, ça marche bien. Ça marche super bien. Moi j'utilise des AirPods en général quand je suis dans la rue ou quoi, où je reçois un coup de fil. Je mets jamais d'écouteurs dehors. Jamais d'écouteurs dehors, c'est quoi? C'est pour être le plus présent, pour éviter les voitures et les éventuels dangers du quotidien, c'est ça? Ouais, parce que... Si on dirait qu'il y a une vraie raison derrière, tu sais, il y a un vrai bail. Non, j'en mets seulement si je fais du sport ou si je vais du vélo, quoi. Moi j'aime pas les AirPods, je trouve pas ça agréable à porter. Ouh, les AirPods, moi j'aime bien, hein. Je crois que j'ai les premiers ou deuxième génération et franchement, j'ai toujours aimé. Je suis grave grave content de les avoir en scred. Par contre, on en parle du fait que Gogold a réussi à esquiver l'outil du Franck à cause de la tornade de Gale. C'est vrai? Hein? Non, il a pas fait ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Ah, Théo qui dit que c'était sa coupe. Théo, il a dit que c'était Sako, Mako est revenu, ouais. Rip, mais bon rush. Ah, ça marche, Théo. C'était un plaisir de jouer avec toi, mec. Dommage. Ce matin, j'ai perdu contre Rufio, là. C'est vrai, toi aussi? Bah, moi, ça vient de m'arriver, là, il y a 2 minutes. Je joue en Brawl Ball random et j'étais avec un Mortispéance qui faisait que de crever en boucle. Ah ouais. Vraiment, les Mortispéances, ils foncent tout droit et pourtant, ils arrivent quand même à tuer, quoi. Bienvenue dans Brawl Stars. Je pense que ouais, c'est clair et net, on peut dire que le jeu il est pas parfait, tu sais. Si il nerf Mortis, je serais capable d'arrêter le jeu pour un petit moment. Si il nerf Mortis, ça serait bien pour tout le monde, mais si il le nerf pas, je pourrais peut-être arrêter le jeu parce que c'est vraiment relou. Ouais. Bah oui, je suis d'accord avec toi, mec, c'est... Et tu dois pas être le seul dans cette situation, hein. Moi, vous savez très bien à quel point je rage contre les Mortis sur ma chaîne. C'est surtout les Mortis P11, enfin, il n'y a que ça en P11. Oui, non, c'est surtout ça, bien sûr. C'est qu'il se heal trop, en fait. Il fait un kill, il a déjà toute sa vie. Ouais, c'est ça. Pour peu qu'il touche deux adversaires... Oh, le Franck qui était dans les buissons. Pour peu qu'il touche deux adversaires, il est full life. Il a toute sa vie. Le pire, c'est que si Mortis P11 était fort, ce serait une chose. Mais le problème, c'est que tous les youtubeurs tricks machin mettent Mortis, donc ça encourage les gens à jouer Mortis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, il y a une vraie mode. Et puis en plus, vous avez vu dans les chansons des bad randoms, je sais pas quoi, et toutes les chansons que Brawl Stars y sortent, ils mettent trop Mortis en avant. C'est insupportable, c'est genre arrêtez, vous voulez que tout le monde le joue, quoi. Après, ils mettent en mal. Moi, je fais partie des gens qui aiment pas jouer Mortis, j'aime pas le jouer. Bah moi, j'aimais bien jusqu'à ce que j'essaie de le mettre en 30. Et je me suis rendu compte que je suis une quiche internationale. J'ai réussi à le mettre en 30, mais vraiment, je suis pas vraiment... genre moi, j'arrive pas à faire des triple kills. Eh les gars, no fake, on est en TV Brawl. Ah ouais. Ah ouais. No fake, on est en TV Brawl.
que le spike. Attends, mais ah oui, parce qu'il a son spike. Il y a bot Raphaël OP, c'est pour ça. Non, mais c'est parce qu'il joue son spike. Il y a son spike premier mondial. On est avec le premier spike mondial, les gars. En parlant, il a pas pris spike super vilain. Vas-y, tu sais quoi, le gars, il me saoule. Je passe de l'autre côté. Je sais pas si je vais acheter le skin d'Arcadvirus, il est assez cher quand même. Bon, moi j'ai tout acheté, hein. Ah, mais je sais pas si j'achète le Brawl Pass ou si j'ai tout acheté. Mais Kaglio, où trouves-tu tout cet argent? No comment. C'est une bonne question. La daron qui ralasse. Le fait de manger tes pâtes tous les jours, si. Oh là là, on s'est pris le combo de la mort qui tue. On s'est pris le combo de la mort qui tue. Il nous reste 1 minute 20. Non ! Allez, faut qu'on la gagne. Ah, il joue def de ouf maintenant. Je joue jamais Meg. C'est pourquoi il faut que... il faut que je sois avec Meg sur cette partie. En tout cas, ce que je remarque, c'est que le Spike, il joue pas... oh non, elle est dans la tornade. Non, la tornade, la balle a été dedans. Au secours. En parlant petite anecdote, je vais monter mon duel sans jouer. Non. En même temps, ouais, pense qu'en Brawl Ball, peut-être que le Spike, il est meilleur, je pense. Moi, je trouve que non, Spike, ça dépend des maps. Ça dépend des maps. GG, merci à tous ceux qui ont regardé la TV Brawl, les gars. Salutations, ils nous ont eu malheureusement. Ah là 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 là, c'était chaud. Ils ont super bien joué en face. GG. Et surtout en duel en fait, moi c'est ce que je parle, c'est en duel. Ouais, duel aussi. Ah, bon Raphaël OP, il dit j'habite au Brésil, j'ai 2 secondes de délai. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il a mis un spec en 35 kilos sur les serveurs sud-américains. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors du coup, il joue du Brésil avec 2 secondes de délai. Mais on va se faire défoncer, même s'il est trop fort. Allez, on lui laisse une dernière chance si jamais, tu vois. On a marqué quand même un round. Alors, on est en braquage, zone sécurisée. Raphaël OP, il veut jouer Meg. Il la jouera sûrement mieux que moi. Ah, c'est dommage que j'ai pas gagné quand même. Non seulement on était en TV Brawl, et en plus, on jouait avec le meilleur spike du monde. Du Brésil. Ah, s'il joue Meg alors qu'il a 2 secondes de latence, ça va pas être ouf. Ouais, bah écoute, on va voir. C'est bon, mec, je t'ai remis THE. Est-ce que tu peux parler surtout? Ah, ça va, mec, ça y est, on t'entend. Enfin. Grave, on a réussi, c'est bon. Ça va, poto? Nice. Ouais, ça va, et toi? Bah ouais, tranquille, écoute. On est en Power League, donc tu sais que c'est un peu difficile des fois la Power League, mais. Je veux absolument le skin de Nita, donc je farm. Oh la ombre est pas mal. Et désolé, attends, je vais être en game, du coup, y a moyen que je réponde pas tout de suite si vous m'envoyez des messages. Oui, je vais regarder le chat. Ça se voit que le poteau brésilien, il a 2 secondes de latence, ça se voit très bien. C'est vrai, ça se voit. Ah bah, je sais qu'il tire dans le mur. Bon, en tout cas, c'est cool de jouer avec le meilleur spike du... Est-ce que je peux dire le meilleur spike du monde? Je sais pas. Genre, c'est juste le mec qui a le plus de trophées, en tout cas, sur spike à l'heure actuelle. Le meilleur spike du monde, c'est... C'est qui? Oui, il a monté 2000 trophées. C'est qui a le record du spike le plus haut, ouais. C'est le joueur de STMN, là. Ouais, OG, non. OG. Pour l'instant, ça se passe bien, en tout cas. Je vais mettre ça ici, pour protéger... Kylo, vas-y, hein. Je me suis fait 3 shots. Nice. Mais comment ça se fait que ce Brésilien, du coup, c'est parce qu'il parle français en fait qu'il est sur mon stream? Tu vois, parce que moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que, déjà, premièrement, il est sur mon live? Bah, ouais, je suppose qu'il parle français. Ouais, il parle bien français, du coup, il doit checker les streams Brawl Stars. Franchement, on aurait pu être mieux représenté au Brawlies. Ah ouais, ce moi que je veux dire. J'étais vraiment dégoûté parce que ouais, ils ont mis aucun, même que ce soit d'autres nationalités. Je veux bien que le jeu il soit quand même. Bah, je pensais en fait pas, voir. Je pensais voir genre Romain Dotlife, tu vois, par exemple, ou Blarod. Tu vois, Romain parce qu'il a les chiffres, beaucoup.
Ah, et Blarod parce qu'il a par exemple, la... celui qui a le plus dépensé sur le jeu. Ouais, voilà, un truc comme ça, ouais, de ouf. Ça aurait été marrant, en vrai. Celui qui a fait les plus gros packs opening, ou je sais pas, un truc comme ça. Ouais, c'est clair, une section comme ça, tu vois, où le mec qui produit le plus par pays, ou un truc comme ça. Allez, bon appétit. Voilà, Poto, c'était cool. Ouais, moi j'ai été déçu parce que pour moi, quand même, quand c'est des prix, quand même, c'est censé être, ouais, surtout la communauté Brawl Stars, quoi. Pas bah que, ouais. Anglophone. Bah, ce que, ouais, moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas comme si en France on jouait pas à Brawl Stars, on y joue grave, quoi. Bah, et qu'il y a, surtout, il y a aussi des très bons joueurs en e-sport. Et Quack. Alors, en vrai, et Quack, il a, oui, il a les records du monde, mais. Et pas excellent en e-sport. Ouais, mais quand même, ouais, t'as raison. Même RVDM, il aurait pu y être. Yona, elle y était vite fait, mais il a pas été qualifié. Sélectionné. Ah oui? Ouais. Premier but. Oui, c'est grave dommage. Bon, là, on est en train de mieux se débrouiller sur ce deuxième set. Désolé, je parle pas beaucoup avec vous, les gars, je suis archi concentré là. Mais non, c'est pas grave. Il y a petite mal. Ah ouais, Tissement? Non. Je lui réponds. Il y a du monde à la top de mon fou quand même. Ça fait personne. Ouais, il y a du monde de ouf. Ouais, j'avoue, Tisma, j'aimerais bien t'entendre. Toi aussi. Bah, Tisma, ouais, on peut le move avec plaisir, ouais, sans problème. Je vais essayer de move quelques personnes au fur et à mesure. Il y a tout mon trio qui attend dans la tente de move. Ah, c'est moi qui. Moi, Kylo, tu veux que. Moi, je peux pas, hein. Là, je sais que le snipe, je vais. Enfin, je bug. Bon, appuie sur play, pas grave. Comment je vais pas live? C'est un peu ça. Nice. Allez, Raphaël. Raphaël qui va achever le coffre. Let's go. Dommage. Il a 4%. J'y croyais. Oh, faut pas que la ombre, elle mette masse dégâts. 10 secondes. Oh non, me dites pas qu'ils vont faire ça. Me dites pas qu'ils vont faire ça. Non. Non. Hors de question. Oui, on a réussi. C'était chaud. Good game. GG, mais il y a que un partout, les amis. Hein. Le jeu que j'évoque, c'est quand j'aurai muet. On a Titi qui est avec nous, Docteur Bourdier, le voici. Ah, il y a plusieurs, il y a du monde chez lui, on dirait. On entend toujours du monde chez lui. On entend tout sauf lui. Je te jure. LDC. Ah non, j'aurais dû garder mon super en scred. Vas-y, me refous un super. Oui, oui, c'est bon, t'as décalé. Yes. Il y a Xav qui attend maintenant. Ah, Tisma, t'as une voix d'enfant. Vas-y, non, viens, mince. Tisma qui dit j'ai une voix d'enfant, mais c'est pas grave. De toute façon, on est avec des adolescents, là, surtout. Hein. Franchement. T'as pas entendu la mienne? Ah, c'est qui? C'est Titi? Ah, c'était... Pour l'instant, celui qui a la voix la plus grave, c'est THE, je pense. Mais j'ai un truc. Mais THE, genre. Élu, t'as le Brolis de la voix la plus grave. Bon, ouais. Eh, Nono, c'est pas mal aussi, quand même. C'est vrai? C'est pas mal. Je suis un peu enrhumé. Ah, t'es enrhumé? Oui, C'est comme ma copine, elle est malade là en ce moment. Mais elle commence à aller mieux. On se prend Bagdad! Allez, let's go! Et moi, la voix la plus aiguë. Vas-y, Titma, viens. Je vais avoir le Brolis de la voix la plus aiguë. Eh bien. Ah, c'est gratuit, je vois pourquoi tu voudrais viser. Ouh! Ah, FTP, il aurait la deuxième. Le monde se pose des questions. Ah bon, FTP? Allez, on snipe comme la ça. Ambre. Il faut qu'on réussisse à snipe, comme ça on va pouvoir faire le cirque. Ouais, j'avoue, snipe en vogue. Ah, les gars, faut que ça passe. Après, allez, faut qu'on passe. Non, mais faut faire quoi? On va pas snipe, parce que si personne passe par là. Non.
Dommage. GG, c'était chaud. Hein. Ah, le Stou en face, il jouait super bien, je trouve. Waouh. Bah, c'est la première fois que tu l'entends au micro directement sur Discord. En général, tu l'entends juste en live, quoi. Dommage pour la latence. J'ai adoré jouer avec vous, Raphaël, il dit. Merci. Moi aussi.